à l'attention de Monsieur R.R.R. Éditeur, Copenhague. Expéditeur, Hans Christian Andersen. Cinq, ça c'est nos secondes. Enfin, ça c'était mes secondes à moi avant, ça c'est tes secondes à toi, quoi. Il y a peut-être un début de travail de deuil à faire de ton côté. Travail, deuil, mais c'est pas la même chose à la fin. Une même pénibilité. Quelque part dans le nord lointain, dans un pays sans nom, se trouve un énorme rocher. Un cube dont chaque côté fait 100 km. Une fois tous les 1000 ans, un petit oiseau se pose sur le rocher et il frotte son bec pendant quelques instants. Quand le rocher aura disparu, complètement érodé par ses infimes frottements, un seul jour de l'éternité se sera alors écoulé. Une histoire où les petites filles pourraient être des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères. Un monde où les grands-mères pourraient être belles, douces, merveilleuses, grandes. Belles ici, merveilleuses ici, douces ici, pas au ciel, si haut, si haut.